moma 17 ans sina la wali on wali don ko don be ay be dogi gore makko be dogi arani lan ko suudu be ni la minya ma hawra may mo min yi minya ngam fellama be ni min yo may be ni o dogi mi jokkitiri le ga ko putalti be le to wi me mata mi ngari yaada be ni muto mi ari do gala go muto taybe bi muto be na bi mo mi yey ko tata be na bi mo laptan kankal furda ko docteur bisriou be na bi mo me yeu be ni o be ni acce o yaw yam yam ko min acce mi yam yam mi na to yam yam mi nyaa o be ni dotte jo wi mi na ta ke taw haaw gayna yaare be jotni nan ko ko dambu ga laptan do e be jotni ni la awre zen jo go yi winder no la be ni waya ma ni nyaa ko on to ayno sina o gayni o nyaami o ari mo gayni nyaamde pet o looti ke o nyaami mo yaade o ko gorejo makko nda hidugo nge makko hidugo e gorejo makko wondi do e mingiraawa gorejo makko kadi leedo ari be yaade ngi alla mi anda no be kir ko laawo do be hawre ma parce que les forces de la sécurité ko menne ko berero be memmo ka ko gendarme ka ko hollo ah alors mi anda de ko hombo ko hondu nge mo mi anda fami mi anda fus lansina lan ko mi yoy nene gorta so wiri pour récupérer le corps ah men andal sina be wouli be men tay ton journaliste be no dari ta ko dum men yey men arti kat assalam ko adon mi wabi c'est un jeune frère un voisin qui a trouvé la mort ici hier du nom de Elhaj Boubacar qui a été fossé par balle en pleine poitrine. L'explication de sa sœur, ce que j'ai réussi avec sa sœur, il était avec sa sœur dans la maison jusqu'à 14h. C'est en ce moment le petit a voulu sortir, il a demandé à sa grande sœur qu'il voulait sortir parce qu'il devrait aller suivre l'étude coranique. C'est dans ça il s'est lavé, il a pris à manger. Il est sorti au fait, c'est même pas 20 mètres, c'est là où les gens sont regroupés. Ce kiosque qui est devant nous ici, c'est là-bas qu'il a pris la balle. Et tant qu'il est logé là, là où vous voyez, là où les marmites sont là, c'est ici son domicile. Il n'a même pas fait 20 mètres. Il a été par balle là-bas, puis il a fui. Encore, il s'est retourné, il est tombé devant leur porte pour dire à sa grande sœur, « Hey, ils m'ont tiré dessus. » C'est dans ça, ses amis l'ont ramassé, ils l'ont mis sur un moto pour l'envoyer à l'hôpital, qui était presque déplorable. Les docteurs ont dit que c'était fini pour le jeune. J'étais là, j'étais dans le quartier, j'étais à environ de 100 mètres parce que j'étais tout près de l'autre carrefour. La balle qui a tiré, je l'ai entendu bien. C'est les forces de défense et sécurité qui sont là, mais des bérets rouges qui ont tiré la balle là. C'est eux. C'est les forces de défense et sécurité qui ont tiré la balle. Et le petit a reçu la balle en pleine poitrine. Mais aujourd'hui, c'est déplorable. Je pense, aujourd'hui, on est en train de faire un procès du 28 septembre que tous les Guinéens aujourd'hui suivent de près et de loin. Et si aujourd'hui c'est le même gouvernement encore qui continue à tirer, et je pense que le procès du 28 septembre n'a pas de sens pour moi. Et aujourd'hui c'est déplorable dans cette République. On ne peut pas faire de poids, de mesures en mettant des gens devant un procès et que ça continue à faire des bavures à tout moment. Et je pense que le petit, c'est un mineur, il n'a même pas ses 18 ans, il a ses 16 ans, environ 17 ans. C'est ses amis qui sont arrêtés devant vous comme ça, c'est ses amis.